Petite présentation de RH2, tranquillement. Présentation au KLM. Je reviens dans 5 secondes. Par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rey. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues. Relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre désolé pour le bruit. Dans faisons des travaux. À cause de cette population. Faisons des travaux chez moi. Désolé pour le bruit, les gars. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence. De la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons joué en secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif, l'élimination chirurgicale des faibles, l'humain nouveau. Nous prenons leurs enclaves, à nous les arches. Ce soir, nous rasons leur camp et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Toujours en 4K HDR les gars, magnifique. Je me suis pas spoilé sur internet. Rien. Magnifique. Il faut se préparer d'y aller. Ah ouais, on peut choisir homme ou femme. Tu crois que c'est un exercice? On dirait pas. Non, ça a l'air sérieux. On y va, j'ai dit. Bon, c'est l'heure d'y aller. Ouais, prends tes affaires. C'était quoi ça?
Allez, c'est parti, ma gueule. Oh, magnifique. Allez, petite bang. Chargeur. Le boomerang. Je sécurise la porte. Oh là là, il m'a sauvé la vie. Putain, Lily, il était pour moi. Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orphelin. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok. Alors on fonce dans le tas. Désolé pour le bruit, les gars. En haut, ils font les travaux. Casse les couilles, là. Désolé, désolé. Par hasard, quand je fais des vidéos. Les fumiers, c'est. Oh, le gros con. T'as une moto et tout, gros. Il m'a arraché. Adieu, Ranger Jersey. Il s'en remettra pas avec un pansement. Ça, c'est sûr. Jouer maintenant. L'armure est à moi. Eh ben, vas-y, alors. On va renvoyer... Oh, magnifique, une armure. Putain. Maman va te crucifier pour avoir touché à l'équipement Ranger. Il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais. C'est encore mieux que ce que je pensais. Et la mitraillette, elle est où? Ah ben voilà, j'ai dit, il y a comme petite chose. Même pas sans savoir voir les vidéos sur YouTube, j'ai vu direct qu'il y avait une fête à donner là. Ellie, j'ai besoin de toi au garage. Walker, ramène-toi dans la cour. Quand j'arrive, appuie sur Y pour changer rapidement d'arme. Contre une... Ok. J'arrive. Allez, let's go, c'est parti. Hey Walker, sergent Daron a besoin de toi dans la cour. Avec toi. Oh, j'ai shooté le mec avec le... Oh là là. Oh ouais, graphiquement parlant, magnifique les gars. On tourne sur une jeu Sonic, sur une... sur deux écrans 4K HDR mon frère. Au KLM. Tranquille, tranquille. On se met bien pour des bons jeux HDR. Non, ça c'est des potes.
Pour là-bas. Je tourne en 60 FPS. Utilisez les grenades, ok. Oh, on va le faire, hein. Ça. J'aurais été la plus jeune ranger. Ça fait. Connerie, ça a pris. Ça confie. Ah ouais. Focus. Maintenez la LB pour utiliser votre focus et faire apparaître des ennemis. Ok. Ok, LM. Bah, allez. Oh, yes. Voilà. C'est lui. On va réussir à le faire. Ouais, bah, je monte à l'échelle. La limite, j'attends. Et tu vas prendre là, quand t'attaques, voilà. Et on va aller. Ouh, raté, encore, il explose. Graphiquement parlant, magnifique, hein, comme je disais. Hein. Et... au top. Ramasser les trucs bleus par terre, ok. Pas trop pire, toujours prendre les trucs lumière bleue pour la... pour mettre la santé sur la... là. Non, c'est pas là. Tu vois, tu prends mes... oh putain, j'ai pris cher là, frère. Là. Tu te souviens de ce qu'on a appris à l'académie sur les armures de Ranger? Une fois chargé, tu peux activer l'overdrive et éjecter tes ennemis. Overdrive, une ennemi, ok. Oh! C'est dingue, frère. Ça, c'est une dinguerie, frère. Ah oui, dinguerie. Désolé pour le bruit, les gars. Ça reprend. C'est bon, c'est... Désolé pour le bruit, les gars, excusez-moi. Où en est le ranger chargé? Ma chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle. 35 ans, Lily. Elle m'a recueilli à la mort de mes parents. 53 ans, autant pour moi. La mère la plus vache qu'un orphelin sauvage puisse souhaiter. Tiens là. Oh, la grand-mère. C'est l'armure de Jersey. Ouais. Jersey. Ils l'ont tué. Eh oui. Dans le cœur. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi le faire. C'est quoi ce bordel? On est deux, quoi. Oh là là. Je vais le rater. On va le niquer, frère. Le général Cross.
Dans la tête, dans la tête, dans la tête. L'armure, ça sert à rien. Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique. Notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux garnements comme moi. Je sais pas si Prolet est devenue dingue, ou si elle a raison, mais si c'est le cas, je le laisserai pas faire. Viens ici. Je te donne un ordre. Ça va mourir, je crois, non ? Oh, le salaud, le salopard. Je suis vraiment navré pour le bruit là. Je suis vraiment navré. Navré. Désolé les gars. Non mais dis pas qu'elle a tué. C'est moi, tu vois. Je pensais épargner les premiers esclaves pour faire des expériences. Mais pour toi, je vais faire une exception en l'honneur du bon vieux temps, Irina. Après tout, c'est grâce à ton acquisition que je suis arrivé en vie. Connard. Oh non, il a tué. Il a défoncé, il a tué, non. C'est quoi ce jeu de malade? Reprendre la partie. Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez. Attends. Oh putain. Putain. J'étais plus dans les vapes. Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. C'était le général Cross. Il... Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Oh, c'est sa maman, merde. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Ces histoires sur le retour de l'autorité. J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Ils les gardaient dans le Presidio. QG des Rangers? T'es malade? Y'a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Mais ouais, t'as raison. Tu veux vraiment rester ici? Ouais, t'inquiète, Walker. Va faire tes trucs cool de Ranger. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Ça marche. Ouais, c'est reparti, les gars. Allez, je vois. Les premières générations. Je raconte. Aucun sergent. Pas un seul. C'est pas possible. Ils sont tous pas. Ils sont pas ici, monsieur. Allez, je sors de la base, je crois, là, ouais, c'est ça. Sur la première mission, tranquille, au calme.
c'est parti les gars. Et encore désolé pour le bruit. Tu ne vas pas venir pour rien, Prolet. Quoi ça? Des crapahuteurs, caporal Walker. C'est Walker. Je suis venu chercher des infos sur. Sur le sergent d'unité de Ranger, Ervina Prolet. Pas bouger. Il y a combien? Il y en a 40. 40, ok, 1000 G et 40 succès. Il y a 1000 G et 40 succès, vous voyez. Et à sa technologie, cette bonne vieille glacière, imagine passer des siècles là-dedans. Moi, je suis pas des parents, tous les originaux, congelés comme des bâtons de glace. C'est de là qu'on est sorti pour détruire l'autorité. Il y a un distributeur d'idées intronisation dans l'Arche. C'est mon cadeau le plus important. Cet appareil amplifiera les nanotrites dans ton sang pour te donner... eh bien, des super pouvoirs. Je ne vois pas comment le dire autrement. Entre dans l'Arche et active-la. Ok, faut entrer dans l'Arche, les gars. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, feu Prolet. L'Arche est où? Oui, je veux bien, mais... Non, là, c'est que je suis là tout à l'heure, faut essayer de descendre alors. La chercher. L'arche, je me la bats dedans, je crois. Voilà, j'ai trouvé l'arche. Ok. Elle est là. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Quand je suis tombé dans un truc, fallait pas tomber là. Attention les yeux. Bienvenue dans la salle de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'Arche et vos idées intronisation. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation ruée. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et serez plus difficile à toucher. Refaites-le.
m'a touché, faut pas me toucher. C'est un échec. Réessayez. Non. Réessayez. Désolé, je suis là. Donc là, faut aller où? Voir la meuf là-bas. Comment pas, toi? D'abord. Ah bah là-bas. Justement. Tout simplement, on fait le tour. Hein. Voilà ta première idée d'intronisation. Tu verras, il y en aura d'autres. Okay. Il existe encore beaucoup d'arches. Trouve-les. Elles contiennent toutes des ressources précieuses qui t'aideront à affronter l'autorité. Mais tu auras besoin d'elle. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons, des gens dont tu n'auras entendu que des rumeurs. À la fin des guerres de l'autorité, certains d'entre nous, les résistants, avons lancé le projet DAG. Il a été conçu dans le but d'éradiquer l'autorité, une fois pour toutes. Nous savions qu'elle n'allait pas disparaître comme ça malgré ses merdes. Et nous savions que le général Cross possédait une technologie qui lui permettait d'approcher quelque chose ressemblant à l'immortalité. Le projet d'Ag fut abandonné lorsque Vineland s'isola du monde extérieur. Mais une sorte de pacte demeura entre les trois fondateurs originaux et moi-même. Tout d'abord, John Marshall de Gunbarrel, un vieux soldat coriace et bourru qui mena le premier combat contre l'autorité. Personne ne saisit l'importance de la technologie de l'espionnage autant que lui. Il pourra t'aider à échapper à la vigilance de... Marshall. Des infos, diagnostics, des... On est tout à l'heure aussi, voilà. Ensuite, vient l'Ozomagar de Wellspring, fille du héros de guerre Dalagar. C'est une ancienne combattante devenue maire de la plus grande ville du Wasteland. Sa capacité à se procurer des véhicules militaires te sera indispensable. Ah oh ouais, on a deux. J'ai pas fait gaffe. Regardez les gars, on peut avoir des sous. C'est quoi ça? Des sous, ça c'est des ressources. Je crois que t'as pas mal de trucs dans ce jeu magnifique. Hein. Vas-y, c'est un ancien scientifique de l'autorité qui a rejoint la résistance. C'est un génie en matière de nanotrie des communications. La projet d'âme repose sur ses... Le journal. Ok, allez. Ok, docteur Lily. Cross, le Sun, Walker. Compétence. Tu voudras en apprendre plus durant ton voyage. Le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à beaucoup de tes questions. Bonne chance. Ranger, Walker. Nouvel objectif. Travaille avec un. Bordel. Tu pensais me balancer tout ça comme ça et disparaître, hein, tant de prolet. Tant de prolet. Ben, avec la famille. Je suppose que c'est à moi de jouer maintenant. Allez.
voir Lily. Lily, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Kvasir et Luzum Agar. Ils font tous partie du projet DAG, un plan élaboré pour arrêter l'autorité. Ok, c'est costaud comme commandant. Ouais, même depuis l'au-delà, ta mère, elle déconne pas. Trop tôt, Walker. Désolé, Lily. Mais bon, je suis prêt à explorer le Wasteland. Je crois que j'ai bien ce qu'il te faut. Viens voir. Cet escroc, comment ça se passe, les cons de faire le travaux, là, je dis, ça se couille. On va aller voir, oui, mais on passe par où pour voir lui. Non. Débute hein les gars, hein. Je sais pas où passer. Peut-être pour faire le tour, il y a un souterrain. Il me dit d'aller tout droit, mais tout droit c'est impossible. Il y a des grenades. Max, grenades. Faut péter le mur, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a le shadow? Diffuse, je peux pas gros diffuser. Je suis sur ordinateur, je peux pas diffuser. Ça. Quand tu regarderas, tu comprendras, frérot. Bon. Comment on fait pour passer par là-haut là? On fait qu'à faire, c'est sûr, mais comment? Je sais pas. Je pense c'est là-bas. On va faire tout là. C'est par là. Dans tous les cas, ça me ramène.
pète les couilles, ce gros pédéant. Par le haut, les gars, excusez-moi, putain, j'ai fait le coup. Alors, t'as trouvé quoi? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. La survie. On va commencer par ta caisse. Oui, je veux bien. On va avoir une voiture, les gars. La caisse. Continuez. Il y a de où? On a d'autres projets qui pourraient nous aider. Ouais. Toi, tu dois être en forme. Et moi, je dois ramener un semblant d'or à Vinland. Avec un peu de chance, bon. Tes trois contacts du projet d'acte... Bon, voiture au KLM, les frérots. Parce que ça te fera vraiment pas de mal. Le succès, c'était quoi déjà? Hop, un nouveau succès. Ranger, vous avez terminé la mission Ranger. Bon. Je pense qu'on va se laisser sur cette petite vidéo tranquillement. J'ai terminé la première mission Ranger. Le Ranger, c'est la mission. Et sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.